problème d'Ian and Box, c'est que 100% elle est copyright. Donc bon, je peux pas trop quoi. Tu viens plus aux soirées là. Avec son masque, ça m'a fait penser à ça. C'est Chuck. Oh non, j'étais pas convaincu et prêt à l'attraper direct comme ça. Non, je suis tombé instant. J'étais pas préparé là. J'étais pas préparé du tout à l'affronter direct. Dans mon esprit, j'étais vraiment en train de bader sur ma musique et c'est tout quoi. Là, je suis mort. Peut-être j'ai le temps, c'est pas sûr, ça va être limite. Aïe, j'ai pas le temps du tout. Je pensais vraiment avoir le temps, mais non. Bon, j'ai fait ce que je pouvais, mais j'ai... tu vois, quand je prends une chaise que j'ai pas prévu, c'est pas mon jour, c'est pas mon truc. Moi, je déteste prendre des chaises que j'ai pas prévu, parce que je tombe très vite dans ces conditions-là. Je tombe très très vite dans ces conditions-là. Et voilà, j'étais à l'ouest, encore dans ma musique. C'est le SAV de Marie Fred. Ouais, bien vu, Ponzi. Bien vu, c'est ça. Avec son masque, on aurait trop dit que c'était. Mais tu fais un plus aux soirées là. Mais je sais pas faire l'accent donc du coup je le fais pas. C'est tout con. Doudou, ouais, c'est ça. Ça lag un poil. Tu me fais un petit soin, mon ami? Mais tu viens plus aux soirées là. Bon live, merci Milo, à bientôt, bonne nuit, repose-toi bien, fais de beaux rêves, et surtout n'oublie pas parce que c'est très important. 5 siècles, on se dit des petits secrets. Ce vocal, je te jure, c'est... c'est dingue. Des petits secrets, des petits... c'est impossible de reproduire ça. Salut Sandwich, comment tu vas? Ce vocal me gêne, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Elle dit, t'inquiète qu'on se dit des petits secrets. Ça va, Goldor, dans l'ensemble, ça va ce soir. Par rapport à ce matin, il y a moins d'abandon quand même. Oula, j'ai eu du mal à prononcer ces mots, tu vois. Ça sort d'où? C'est Milo qui donne un vocal dans le channel Discord de Sopapa pour Jeff Kiritosh. Dis-moi, c'est quoi le nom d'une paire qui empêche l'aura? C'est Distorsion, check ton matou, de Jeff Johnson. C'est la paire que j'ai à droite sur mon build. Bah, c'est le chat qui a déchiffré le message. Moi j'avais pas compris la première fois que j'écoutais ça, j'ai rien compris. J'ai écouté ça au moins 25 fois, j'ai toujours pas compris. Mais dans le chat ils ont capté direct. Ouais, mais ça, c'est fun, Noah. Elle kiffe, tu vois, c'est marrant. Dès qu'elle arrive, elle a son petit vocal, son petit truc, c'est marrant. Oui, oui, c'est Milo. Bah là, elle est partie dormir, mais c'est Milo sinon. Peut-être que je sais pas, j'ai la tarique au délire. Non. Peut-être, mais ça s'est pas affiché. Je vais pas faire mon gène, je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a un gène mieux avancé. Enfin, comment dire. Mon gène est dans le coin. S'il y avait eu un pass, valait mieux que ce soit mon gène qui soit bloqué, quoi. C'est juste ça. Si on n'a pas de distorsion et caché dans un casier, tu envoies notre aura. Non. Salut Jiggy Dick. Jiggy Jig. Comment tu vas, Jiggy Jig? J'espère que tu vas bien. Bon, il va rester un trigène là où il vient de tomber, mais bon, tant pis. Hein. Pas grave, ça rajoutera un peu de difficulté. Ah, vous savez pas faire ça. Hein. Parce que faire des moonwalks, c'est bien beau. Mais essayez de faire le moonwalk en sortie du générateur là. Vas-y, bon courage. Ah ah, vous savez pas faire ça. Hein. Eh ouais. Comment je me la pète sur un truc qui sert à rien? Ça me tamine. Digidix. Ça se trouve, c'est lui. Hein. Ça va très bien, Keta, mais toi, comment tu vas? Un des trucs que je trouve bof dans le jeu, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'explications, je trouve, pour les compétences, les mots-clés, etc. Faut aller chercher sur le wiki ou autre. Bah en fait, Jiggy Jig, si, elles y sont, dans les tutos du jeu, dans le jeu directement. Et t'as pas dû faire gaffe.
Oh, c'est beau ce que je viens de proposer. C'est beau ce qu'on vient de proposer. C'est magnifique, dirais-je même. Caché. Caché. Je sais pas s'il a capté que c'était caché ou pas. Oh, oh le bien joué. Oh le bien joué. Oh la protection. J'ai eu chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Ah, ok, ça passe. Belle protect de la part de la Mika, là, je respecte. C'est beau, c'est beau. Oula, j'ai un peu trop extend, là, j'avoue. Je me suis un peu trop décalé, certes. Oh, les amis, la proposition. Et je baisse. Et je me nourris, et je me demi-tour. Je vais sauter là. Comme ça, ça le force à aller gauche. Parfait. Il saute pas. Je vais baisser en avance. Il devrait utiliser son pouvoir là-dessus. Ou pas. Comme il a dégommé la porte, ça me termine. Ah, oh, j'ai trop kiffé. Oh là là, let's go, on l'a fait tomber. Oh là là, j'ai kiffé. Et franchement, je respecte ce mec, hein, parce qu'il tente des choses. Hein. Bon, là, je vais béton. Si je réussis à faire le 3-6, il tombe dans le trou, je suis un génie. C'est moi qui suis tombé. Bien joué, bien joué. Oh, nul. Bien joué, bien tenté. Bien essayé. Rien à dire, c'était bien essayé. Oula, ça bégaye. Oula, ça bégaye un poil. Bon, il y a un crochet juste à côté. Mais... Oh, la protection divine. Protection divinatrice. Et non, dommage. J'imaginais Jacouille dans le jeu en train de loop et dire c'est ok. Je sais pas le faire. En plus, tout le monde dort chez moi. J'adore Chucky, c'est génial. Oh, regarde, première chase, il m'a tombé en 2 secondes, respect à lui, il a bien joué. Et la chase suivante, bah c'est autre chose. C'est pour ça que j'adore Chucky. C'est un tueur, tu peux tenir, tu peux te faire tenir, tu peux tomber vite, tu peux tomber lentement, tu peux. C'est génial, j'adore. C'est trop fun d'avoir Chucky sur DBD quand même, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Hein. Merci les copains, c'est gentil. Just die. Avouez que j'imite bien. J'imite trop bien, on s'en bat les couilles. Ah merci. Oh, on se fait karmater mon ami. Laisse-moi te soigner. Mais qu'il est con. Ça devrait suffire, mais c'est pas sûr. Allez, est-ce que tu vas te faire turn ou pas? Ouais, on a bien joué là-dessus aussi. Ah, c'était super agréable cette partie, j'ai trop kiffé. Tout était cool. T'avais les sous-titres? Axel a des caméras dans les WC, sauf? Pourquoi? Ben, quoi, il y a une diarrhée explosive, je lui demande s'il va bien. Ah, j'ai pas de diarrhée explosive, mais en tout cas, je vais bien, t'inquiète. Ok, les gars, on va faire un truc. Si je réussis à me soigner, bah on sort. Enfin, on essaye. Si je réussis pas, bah c'est mort. Voilà.
En gros, c'est juste bah, le timing, quoi, tu vois. On se fait un petit défi timing. Ça devrait le faire, hein. Ça l'a fait. Le timer te stresse, Sandrine. Tranquille. Oula, calme-toi, Ponzi. Ouais, tu t'emportes un peu, là. Et la diarrhée, la vidéo des toilettes cassées que j'ai vue sur mes caméras. J'ai rien compris, mais si tu veux. Tes caméras sont mal placées, hein. Elles sont pas au bon endroit. C'était génial, cette partie, j'ai adoré. Et oui, AK, c'est important. J'ai kiffé. C'est pour ça que j'ai réussi à le turn. Console, je suppose. Mangeur d'espoir, pas con. Ubri, fureur de l'esprit. Peut-être tu mets déboussolé, fureur de l'esprit. Tu mets dissolution. Tu mets dissolution, fureur de l'esprit, c'est sympa. Thank you.